le ministre, professeur Frimous, chers invités, chers amis et collègues, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous accueillir à la deuxième édition des journées de l'Association académique tunisienne des sciences du management sur le thème « Le monde des ressources humaines en transformation ». Nous sommes d'autant plus honorés que M. Kamel Jandoubi, ministre chargé de la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'homme, ait accepté de rehausser de sa présence cette deuxième édition des journées de la TSM. Je le remercie également pour son appui aux efforts des associations de la société civile en Tunisie. La TSM souhaite promouvoir et valoriser la recherche en sciences de gestion. Elle est née de la volonté des chercheurs confirmés et des praticiens de répondre aux attentes des nouveaux chercheurs dans différents champs disciplinaires. Avec mon ami et collègue professeur Frimous, nous avons voulu une association ouverte, multidisciplinaire, au service des chercheurs. Elle est un lieu de partage, d'échange, un lieu de concertation, de rencontre et de convivialité que nous faisons vivre avec l'ensemble des membres et adhérents. Je cite et je pense à Mademoiselle Dr Yousra Gazba, vice-présidente chargée de la communication, Madame Amira Nouri, trésorière de l'association, et les adhérents de l'association. Elle est un lieu de partage, d'échange, un lieu de concertation. Dès sa création, la TSM a reçu l'appui de partenaires académiques et professionnels en Tunisie. Je pense au laboratoire LARIM à l'ESSEC de Tunis. Dès sa création, la TSM a également reçu l'appui des partenaires académiques et professionnels francophones, tels que l'Institut d'audit social et l'AGRH, l'Association de gestion des ressources humaines. Je tiens également à remercier l'ensemble des communicants retenus qui ont été sélectionnés suite à une double évaluation en aveugle. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu contribuer de près ou de loin à la réussite de cette manifestation. Chers participants, nous vous souhaitons une excellente journée riche en échanges. Nous remercions chaleureusement nos sponsors officiels qui n'ont cessé de nous soutenir dans toutes nos activités associatives afin d'assurer au mieux nos prestations. La municipalité de la Soukra, Orange Tunisie, la radio Ribat FM de Monastir, sans oublier nos chers journalistes qui nous accompagnent dans nos différents événements. Merci à vous tous.